Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 9h-10. Et voilà, j'ai pas fait foutu grand chose. Je viens de faire mes soins. J'ai pas foutu grand chose depuis que je suis réveillée. Je me suis levée à 7h. Il y a du mieux, hein, il y a du mieux. En ce moment, je me lève à 7h. Hier, j'ai dû mettre mon réveil à 7h. Donc, je vous raconte mon petit week-end à mon petit papy. Vendredi, je ne sais plus ce que j'ai fait. Franchement, j'ai eu un blanc samedi. Je savais pas noter ce que j'avais fait la veille, quoi. Voilà, quand je note pas tout de suite et j'oublie les choses, tant pis. Donc samedi, on a préparé l'anniversaire de monsieur, hein, puisque... Ouh, je viens de foutre un coup de pied au chien. On a fêté son anniversaire avec, avec sa famille, plus mon frère, un de mes deux frères. Et donc on a été beaucoup dans la journée des préparatifs. On a passé une super soirée, on a vraiment bien rigolé. Monsieur était complètement HS. Mais quand je vous dis HS, c'est HS. Genre, il a été... on va y aller cash. Hein. Il a été vomir dans les toilettes en haut. Il s'est cassé la gueule dans la salle de bain. Et du coup, il a passé la nuit le cul sur le carrelage, la floche à l'air et la gueule dans le panier de linge. Voilà. Il s'est bien amusé, je crois, à son erreur. En même temps, il a fait du mojito. Chez nous, on l'appelle le romito. Parce que, à part le rhum, vous ne sentez pas grand-chose dans son romito. Donc, lui et mon frère ont quasi bu les 3 litres. Enfin, nous, on se battait un peu tous pour en avoir, parce qu'il y avait aussi Enzo et sa copine qui en buvaient. Et qui encore? Une de mes belles-sœurs. Mes deux belles-sœurs, deux de mes belles-sœurs. Mais j'avais beaucoup de belles-sœurs. Hein. Bref. Et entre-temps, j'ai eu ma première commande pour faire un dragon. Voilà, je suis trop contente. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et voilà. Donc je vais faire ça, je pense, aujourd'hui. Comme ça, c'est fait, parce que j'aime pas faire attendre les gens. Le dimanche, j'ai donc dû, moi, me lever très tôt, puisque, en sachant que j'ai pas dormi avant 2h30 du matin, grâce à monsieur, n'est-ce pas, parce que j'avais peur qu'il se relève de la salle de bain, mais qu'il se casse la gueule dans l'escalier. Après, on sait jamais vu l'état de la chose. Bref. Donc j'ai missionné à 7h, parce que je devais maquiller ma nièce pour son anniversaire. Elle m'avait demandé de la maquiller pour aller faire les magasins pour son anniversaire. Voilà, c'était trop chippie. Donc elle est venue à 7h pour que je la maquille. Du tout. Alors, elle voulait un petit aloe ice, donc je lui ai expliqué comment faire. Elle m'a dit, mais en fait c'est tout simple. Ben ouais, je t'avais dit que c'était facile. Donc je vais bien expliquer les choses, comme ça normalement elle devrait savoir le refaire elle-même. Elle a pris une des palettes que je lui ai, la palette que je lui ai offert pour son anniversaire. Je ne vais pas offrir qu'une palette, hein, je vais offrir aussi une robe et puis des petits bricolages que j'avais fait. Et comme ça, je lui ai montré les teintes à utiliser et elle était trop contente du rendu. Donc ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Ça a été très vite parce que je lui ai dit, fais déjà ton teint. Hein. Moi, je n'ai pas les produits adaptés à sa carnation à elle parce qu'elle est très blanche de peau. Donc voilà, j'ai fait ça le matin. Après, j'ai rangé. Donc monsieur était en train de comater de son lit. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements. Et quand il s'est enfin décidé à se réveiller... Enfin, il s'est levé. Il devait être midi, je crois. Il s'est levé, il a mangé. Et il s'est recouché dans le canapé. Il a redormi jusqu'à 4 heures. Ça vous explique franchement l'état du machin, quoi. C'était sérieux. Ça faisait des années, des années, des années que je l'avais pas vu dans cet état-là. C'était très drôle. Les gosses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé quand je leur ai dit surtout ne rentrez pas dans la salle de bain, parce que bon, les garçons, c'était pas très grave, hein. Mais il y avait quand même la copine des os qui était là. Donc c'est surtout ne rentrez pas dans la salle de bain. Il y a papa qui est à poil et qui dort sur le carrelage. Voilà. Donc ils étaient morts de rire. Jusqu'à 2h du matin, ils se sont pris à fou rire en haut en imaginant leur père en bas en train de commenter. On a bien rigolé, franchement. Et le lendemain, on s'est encore bien foutu de sa gueule. Parce qu'il se lève le lendemain, il me dit, ah, j'ai mal partout. Oh.
Comment est-ce possible? La position était tellement confortable, la surface tellement moelleuse. Je comprends pas. Et puis hier soir, j'étais couchée un peu sur lui dans le canapé après manger, parce que toujours après manger, je suis souvent pas très bien, donc il faut que je m'allonge un peu, le temps de digérer. Il me dit, bouge ta tête, tu me fais mal, j'ai mal la cuisse. À mon avis, il a un beau bleu. Bref. Et donc, j'ai attendu qu'il se réveille. Lui, il a fait la PlayStation de Sam. Il a changé la pâte thermique. Alors, on est passé de l'avion de chasse, en bruit, et elle surchauffait en fait, hein. Donc, en bruit du ventilateur, on est passé au mode avion de chasse à papillon. Sam, il l'a allumé, je dis, elle l'a allumé, hein. Il me dit, oui, on l'entend plus, la PlayStation. Donc voilà, si vous avez un problème de surchauffe de PlayStation, c'est la PlayStation 4. Si vous avez le ventilateur qui tourne en boucle et qui fait un bruit de dingue, c'est la pâte thermique. J'ai payé ça, j'en ai racheté, en sachant qu'il faut quoi, l'équivalent d'un grain de riz, on va dire deux grains de riz, d'une lentille, et que c'est une pipette de 25 grammes. J'ai payé ça 8,99€ sur Amazon. C'est un pur bonheur. Parce que j'entendais le ventilateur de la PlayStation de Sam dans ma chambre, alors que lui il est un étage plus haut, dans ma chambre, avec ma porte fermée. Voilà. Et donc après j'ai été faire de la résine, parce que j'avais envie de faire de la résine, en sachant que la résine je peux le faire que le soir ou le week-end, puisque comme je ne peux pas prendre Miss Pépette avec, et que si elle est toute seule en bas, elle pleure. Donc là elle a été, elle était même pas en bas avec monsieur, hein, ou quoi que ce soit, ou en haut avec les garçons, hein. Elle était couchée dans mon lit. Elle m'attendait dans mon lit. Et le soir j'ai fait un short fibon. Voilà. Donc je vous dis, je vous montre pas maintenant, il est juste là à côté de moi, je vous montre pas, puisque sinon vous n'avez pas regardé le short. Et j'ai également lu beaucoup vos commentaires sous le précédent vlog, qui s'est affiché dans le petit, mais que vous pouvez aller rechercher juste après. Je vois que ça vous plaît vraiment que je réintègre une vidéo make-up au moins par semaine. Je pense que c'est quand même pas mal comme ça, que le mercredi je fasse une vidéo make-up, le samedi une vidéo un peu plus haul, produit terminé. Bon, après, si j'ai pas de haul ou de produit terminé et compagnie de favoris, je mettrai forcément un DIY, hein, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi à tourner. Peut-être un autre make-up suivant mon humeur, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai des choses à mettre samedi, donc ça va, surtout des hauls. Puisque ce matin, j'ai refait... Alors, j'attends des commandes AliExpress, j'en attends quelques-unes. Je m'étais dit, je vous montrerai au compte-gouttes en vlog. Mais, alors, aujourd'hui, je reçois la dernière commande que j'ai fait, enfin, avant celle de ce matin. Ce matin, j'ai refait une commande AliExpress et qui est mieux. Je veux des moules pour la résine, pour faire plein de choses différentes. Donc là, j'ai commandé des moules pour faire des pots, des petits pots, tout beau. Et une licorne, des petits chats un peu particuliers. Enfin, voilà, vous verrez, je vous ferai le haul. Du coup, je recouperai ce que j'aurais reçu d'AliExpress et Temu. Puisque j'attends deux commandes Temu encore. Je crois que j'ai au moins claqué 800 balles ce mois-ci, rien que sur Temu. J'ose même pas calculer. Mais on est à 500 balles au moins. Au moins. Là, j'ai abusé. Franchement, j'ai abusé ce mois-ci. Clairement. Clairement. Beaucoup. Voilà. Donc, ouais, pour le programme, ce sera donc... Bonjour, mes titis. Bonjour. T'es accroché? Attends, je viens. Je sais plus où est mon marchepied. T'es accroché? Viens. T'es accroché ou c'est bon? Attends, je vois. Attends. Voilà. Voilà. C'est bon? Ou t'es encore accroché? Tu sors pas, c'est chelou ça. Voyons Josie. Voyons mes mères Josie. Oh voyons moi qui fais un sky. Voyons. Je ferme. Oui.
J'ai fait une story hier en disant ma chaise de bureau, c'est comme les places de parking devant la porte. Si peu qu'on bouge, on ne l'a plus. Voilà. Mais tu prends toute la place. Allez, descends. Merci. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, une vidéo le mercredi. On parlait des vidéos là. Hein. Rafraîchissez-moi la mémoire. Une vidéo make-up le mercredi, au moins. Le lundi, le vendredi, vidéo DIY. Le samedi, une vidéo parlée. Le dimanche, le vlog, ça ne bouge pas. Et le mardi et le jeudi, je ferai des shorts en sachant que parfois le vendredi ou le lundi, ça peut être des shorts aussi suivant comment je filme, comment je... Voilà, suivant mon humeur. Hein. Mais donc n'hésitez pas également à liker et commenter les shorts, à les partager également pour continuer à m'aider à gagner en visibilité et compagnie. J'ai eu un commentaire sous le vlog hier, bon, pas méchant, hein, c'était vraiment pas méchant, mais que la dame, enfin la personne me disait que si je faisais, enfin si j'avais changé du make-up au DIY juste pour les vues, que j'allais faire moins de vues et patati et patata, je ne fais rien pour les vues. Sinon, je ferai des hauls à gogo, je ferai toutes les nouveautés qui sortent dans toutes les matières, je ferai des hauls avec deux produits, enfin vous voyez, je ne fais pas pour les vues. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que je crée quelque chose, que ce soit les créations que je fais ou le contenu que je fais, c'est de la création en soi, et qu'un minimum de reconnaissance, ça fait toujours plaisir. Voilà, faire une vidéo où j'ai 80 vues dessus, en sachant que j'arrive aux 5000 abonnés, ça me fait ça me rétrograde à... Rétrograde, ouais. À quand j'avais 500 abonnés, quoi. Vous voyez, même avec 200 abonnés, c'est à peu près ce que je faisais en vue. Donc, il faut pas oublier non plus que quand on crée quelque chose, c'est pour tout le monde pareil, pas juste ceux qui font des vidéos sur YouTube. Quelqu'un qui va faire de la photo, s'il fait une expo et qu'il n'y a personne qui vient, ça, il va râler, même s'il ne faisait pas ça pour gagner de l'argent ou devenir populaire, devenir célèbre. Un peintre qui va afficher dans une galerie. S'il n'y a personne qui vient voir ses toiles, il va être déçu. C'est normal. Quand on crée quelque chose, que ce soit du contenu ou des créations physiques, un minimum de... quand on voit que ça plaît aux gens, ça fait plaisir. Quand on voit ce genre de vues, on se demande si ce qu'on fait, ça plaît, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne le fais pas pour les vues, sinon en 11 ans, j'aurais laissé tomber depuis belle lurette, hein, puisque moi, je stagne... niveau vue, je stagne niveau abonné, en 11 ans, je stagne de partout. J'aurais laissé depuis belle, tomber depuis belle lurette. Hein. Faut pas faire croire que je fais ça pour... Enfin, faut pas interpréter que je fasse ça uniquement pour faire des vues, gagner en popularité, en argent ou des choses comme ça. Hein. Si je faisais ça pour ça, j'aurais arrêté depuis très 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 longtemps, hein, je vous le dis, moi. Je le fais par passion. Maintenant, comme je vous dis, quand on crée quelque chose, on a envie de voir que ça plaît, on a envie d'avoir vos retours. Voilà. Quand les gens viennent chez moi, il y a mes DIY qui sont affichés là, ou il y en a partout dans la maison, mais je les montre. Je les montre aux gens parce que je suis fière. Et quand les gens me disent « Ah ouais, ça c'est beau, oh là là, le prochain, tu devrais faire ça. » Enfin, vous voyez, c'est une fierté, ça fait plaisir de voir que les gens... Ah bah tiens, c'est Luna qui fout le bordel. Ah, c'est Gougou aussi. À deux. Ça fout le bordel à deux aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir que les gens aiment ce que vous faites. C'est normal. Enfin, mais maintenant, je ne fais pas ça pour les vues. Voilà. Ouais, petit recadrage de situation parce que je veux pas non plus qu'après on dise que je râle parce que je fais pas de vues. Après, c'est démoralisant. Mettez-vous à ma place. Quand vous faites n'importe quoi, voilà, c'est comme si vous alliez travailler et puis que vous gagnez de moins en moins d'argent. Je pense que ça ne vous plairait pas non plus. Donc, non, j'attends pour prendre mon cachet. J'allais prendre mon cachet alors que je vous ai vu, mais, que je vous ai vu là, mais il est très dur à avaler ce cachet. Pourtant, il n'est pas gros. Hein.
Voilà, mais j'ai du mal à avaler les cachets là. Enfin, c'est pas un cachet, c'est un complément alimentaire. C'est ceux de ma grosse boîte que j'avais commandé sur Mighty Beauty avec 120 comprimés. J'arrive au bout, j'arrive au bout. Enfin bref. Donc là aujourd'hui je reçois une commande AliExpress. Je pense que c'est un regroupement quand même. Je ne sais pas exactement. Du coup je vous montrerai pas puisque je vais faire un haul. Voilà. Après je pense que vu que c'est des trucs beaucoup à l'unité. En fait j'ai commandé pour faire des bracelets et des bagues. Des magnifiques supports ciselés là, magnifiques pour faire les cabochons. Donc il faudra que j'en garde au moins un de chaque. Bon, quoi qu'après je peux vous les montrer terminés aussi quoi. Même dans le moule. Oui. Donc voilà. Là ce soir je pense que je vais refaire un peu de résine parce que j'aimerais bien. J'ai reçu mon Wapiti. C'est un Bambi, hein. Mais eux ils disent Wapiti. Et ça me fait rire. Mais c'est un Bambi. Un petit renne, j'aimerais bien faire ça et refaire un capteur de rêve puisque je m'étais fait un capteur de rêve que j'avais accroché là. Et ma belle-mère, hier à l'anniversaire, avant-hier à l'anniversaire, je le montre à mon frère et mon frère, oh là là, c'est beau et tout. Ma belle-mère, oh, il est trop beau. Ah, je dis, ah ouais, t'aimes bien les capteurs de rêve. Elle me dit, j'adore ça. Si tu veux, oh, oui, donc elle met la carotte. Donc, du coup, faut que je me refasse ça. Ah, c'est en train de bouffer ses verres. Je vais nourrir mes chiens. Peut-être donner un peu de verre. Ah, peut-être une blague, tiens. S'ils se réveillent tous. Ah oui, ça bouge de partout. Ah, ben, il y en a encore un accroché. Attendez, je vais le décrocher. C'est encore bébé Silver qui est attaché, là. Non, Suzy. Non, Suzy. Qui c'est qui a accroché? Aïe, aïe, tu piques. Ah mais et pourquoi on gratte? Bah non, c'est pas celui-là. Voilà, je mets la main dans la cage, voilà ce qui se passe. Je suis envahie. Non, Silver, viens, 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 viens ici, viens, descends pas si bas. C'est même pas Silver, c'est... Silver, tu es en train de me pisser dessus. Oui, va jouer au-dessus, arrive. Voilà. Oh, il m'a pissé dessus. Bon, bah du coup, je vais surveiller la marmaille là. Puisque les deux petits sont sortis et je vois qu'il y a un. Il y a Sky qui est en train de me regarder, l'air de dire tu nous donnes quoi à bouffer là. Ah ma mère Sky. Oui, bonjour. Ok ma Sky. Oh merde, attendez. Suzy, t'es où? J'espère bien que c'est pas descendu. Ah putain, il est descendu. Allez, couchez. Sky, Suzy, viens ici. Allez, ici. Et alors? Bon, je vais les surveiller parce que je viens de ramasser Suzy par terre et il y a la chienne juste là. Donc, j'ai pas envie que. Oh bonjour ma Sky. Ah non c'est Shadow. Bonjour mon Shadow. Viens ici. Oh viens ici. Viens, viens. Viens près de moi. Viens. Fine, elle est. Je vous montre vite un gros. Voilà, c'est Shadow. Je le récupère. Allez, je vous laisse. Je prépare l'appareil, elle pète son câble. C'est un truc de fou. Alors, il est... Attendez, hein, parce que j'essaie de... Enfin, de... Focuser. Il est 8h30. Je suis coincée avec ma chaise. Alors, j'ai de la glu séchée après les doigts. C'est affreux. J'ai dû recoller des petits trucs. J'ai fait le petit dragon étoilé pour une abonnée qui me l'a commandé. Voilà, je l'ai terminé. Bon, il y a des petits défauts, surtout ici, c'est ce que je viens de lui dire. Il y a le fil de fer qui est redescendu quand j'ai fixé, enfin posé la tête. Bon, je vais attendre de voir ce qu'elle me dit avant de lui mettre en vente sur Vinted. Et j'ai également fait un petit bougeoir comme ça quand j'ai fait la résine la dernière fois.
Et voilà, celui-là va aller sur Vinted. On a également démoulé le kitsune de Sam. Je vous montrerai après parce qu'il est sur. Donc, j'ai lavé mes pinceaux de peinture. Je dois laver mes pinceaux make-up juste après. Que je vais aller chercher en haut quand je vais vous montrer que chérie m'a refixé mes anciennes étagères. J'ai mis le meuble ici. Voilà, pour avoir mon fond et ranger mes palettes, quoi. Donc, je vais vous montrer. Sauf que les palettes, bah, c'est pas toutes à la verticale, mais elles sont rangées, quoi. Bref. Donc, oh, mais je suis coincée avec mon câble de PC, mais non, c'est pas possible. Hier, il y a Trinity, donc une autre abonnée, qui m'a envoyé le lien d'une vidéo et qui a prouvé que je n'étais pas folle, qu'il y avait un problème avec mes vues. Voilà. En fait, je vous mets le lien de la vidéo de c'est P1, je crois, l'artiste, enfin le youtubeur. Je ne connaissais pas du tout, bien évidemment. C'est une FAQ et il répond justement à cette partie-là par rapport à l'algorithme. Et il explique qu'il a perdu 50% de ses vues sur ses vidéos. Alors, quand on a presque 400 000 abonnés, ça fait un sacré trop budget à la fin du mois, hein, comparé à même pas 5 000. Mais abonnés, pas euros, malheureusement. Et tout ça viendrait des shorts. Voilà. Donc lui, il a créé une nouvelle chaîne pour poster juste les shorts, ce que je vais absolument pas faire. Mais ce que je vais faire, c'est que donc je vous ai dit qu'il y aurait plus de shorts le mardi et le jeudi notamment. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poster en vidéo classique. Ça sera un format Instagram short réel. Que je posterai en format vidéo classique, donc ce sera des vidéos de moins, enfin d'une minute ou un peu moins, mais comme ça fausse plus mon algorithme en fait. Il expliquait que normalement l'algorithme est censé prendre en différentes parties, donc les vidéos, les lives, les shorts, sauf qu'il s'est rendu compte qu'au final ça regroupait tout, et au final quand vous faites trop de vues sur vos shorts, il peut arriver, il suffit qu'il y en ait un qui fonctionne mieux que les autres, ben du coup, après, ça, l'algorithme, il conseille pas les, enfin, il conseille les vidéos à un auditoire qui n'est pas adapté, en fait, et des choses comme ça. Donc, voilà, j'ai décidé que je les mettrais en vidéo, et que voilà, tout simplement. Donc, ce sera des mini-vidéos de une minute, ça y est, là, qu'elle veut sortir à cette heure-ci, maintenant, voilà, quand je filme. J'arrive, je vais prendre le kitsune au passage. Donc voilà, on verra à la fin de l'été, voir si ça reprend un peu un rythme normal de vue et compagnie. Là, lui conseillait de les mettre toutes en non répertorié. Donc les derniers shorts que j'ai fait, je les ai mis en non répertorié. Donc normalement, vous ne savez plus les trouver. Ils ne sont plus dans l'onglet short en tout cas. Voilà. Après, je les ai laissés pour pas fausser tout l'algorithme non plus, parce que si je les supprime, ça va rediminuer mes vues et compagnie, donc je préfère les laisser. Après, les shorts, ce qui était bien, c'est que ça ramenait des abonnés et des vues au compteur, mais ça rapporte rien, question argent. Si je vous dire ça tout de suite, je vais aller voir dans mes trucs. Elle pète son câble. Alors, données d'analyse. Revenu. Où c'est qu'on voit ça? Donc, sur les 28 derniers jours, je suis à 56,15 € de revenus sur les vidéos. Les shorts, 0,07 €. Donc, ça rapporte absolument rien. Les lives, 1,15 €, donc ça, je sais que ça me rapporte rien, les lives, c'est vraiment juste pour passer du temps avec vous. Voilà, donc bref, il n'y aura plus de shorts. Ça sera les réels slash TikTok que je reposterai en format vidéo
très courte sur sur YouTube en vidéo quoi. Et voilà, comme ça, ceux qui ne me suivent pas ni sur Insta ni sur TikTok, ben, les voient quand même. Maintenant, sur TikTok, ce que je fais pour qu'il y ait quand même un contenu différent, pour ceux qui me suivent exclusivement sur TikTok ou des choses comme ça, je filme le démoulage de la résine et ça plaît bien. Donc, j'ai filmé le kitsune d'Enzo et maintenant celui de Sam. Donc, ben, je vous le montre. Voilà, il a choisi ça. Il voulait du violet et du bordeaux. On est à peu près dans le thème. Le violet se voit pas trop, à part avec les paillettes, mais c'est un peu trop mélangé au bordeaux. Mais voilà, lui il est content. Donc que demander de plus. Ce soir j'aimerais bien essayer de refaire un peu de résine, hein, parce qu'il faut que je m'en fasse mon attrape-rêve. Que j'aimerais bien faire mon petit wapiti. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir, puisque j'aimerais bien refaire mes ongles aussi, parce que là j'ai déjà une repousse, et en plus maintenant avec la glue, je me suis collé de la glue dessus, et j'ai déjà une repousse d'au moins 2 mm, et ça ne me plaît pas, j'aime pas avoir des repousses sur mes ongles. Faudrait que j'ai raccourci, c'est un peu parce que je suis de nouveau en train de donner des coups d'ongles dans la fimo, quand je fais de la fimo. Voilà, bon, je vais les laisser quand même à cette taille-là pour l'instant, mais ils ont déjà trop repoussé, et ils m'emmerdent quand je fais de la fimo. Donc voilà. Ah, Ludivine vient de valider le petit dragon, même avec le petit défaut, vu que c'est en dessous, hein, voilà. Donc j'attends qu'elle me MP sur Vinted, comme ça je lui fais l'annonce directement en réservé, et je fais une annonce bidon, quand c'est comme ça, je le mets dans une catégorie qui n'a absolument rien à voir, comme ça je suis sûr que les gens, le temps que je fasse la réservation ou quoi que ce soit, ne se jettent pas dessus. C'est assez rare, hein, mais ça m'est arrivé une fois, donc depuis, je fais des annonces bidons. Parce que, heureusement, la personne n'a pas acheté, mais j'attendais que la personne qui me l'avait demandé l'achète, et elle m'a demandé si je pouvais le réserver 3 jours. Donc à ce moment-là, je l'ai mis en réservé à l'autre personne, et je lui ai expliqué que je venais de faire l'annonce parce que c'était réservé avant, quoi. Mais au moins, je suis sûr, quoi. Voilà. Bon, quelle heure il est? 8h35. Bah écoutez, je vais monter avec vous. Je vais devoir aller faire pipi. Mais qu'est-ce qu'elle a encore été me trouver? Donne à maman. Viens ici. Donne à maman. Donne. Donne ici. Elle me désespère, cette chienne. Hier, je suis montée me coucher à 2h au matin. Bah oui, en fait, je vous ai dit, j'avais une crise de migraine. Donc quand Chéri est rentré, il a été me fixer les étagères et je lui ai dit il faut que je me couche. J'ai trop mal. J'avais mes lunettes de soleil et le bonnet jusque là. J'avais mis de la menthe et j'ai le bonnet jusque là. Je me suis couchée dans le canapé, je me suis endormie comme un gros caca et j'ai dormi 2 heures dans le canapé. Donc forcément le soir pour aller me recoucher c'était un peu tendu. Donc je suis montée me coucher à 2 heures mais je suis réveillée depuis 6. Donc je suis un peu fatiguée. Je vais tourner un make-up aujourd'hui, on va attendre demain. Hein, j'espère que j'aurai une meilleure trogne, hein, parce que là, si j'enlève les lunettes, voilà quoi. Vous voyez un peu les dégâts de la fatigue qui s'accumule depuis 2 mois maintenant. Et voilà, bah, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Je vous reprends en haut une fois que j'aurai été faire. Hop, pipi. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas aussi beau que le meuble, mais bon, j'avais pas à aller racheter un meuble, quoi. Vous voyez, je verrai ça plus tard. Donc j'ai remis ma petite lune ici, j'ai mis ma petite déco là et celle-là là-bas. Donc j'ai rangé les palettes comme je pouvais, puisque ben, les grandes, comme ici par exemple, ne passent pas à la verticale. Voilà, il y a juste celle-là ici au-dessus, mais sinon là j'ai mis les plus petites, les plus grandes, j'ai mis mon panier avec mes essuies dedans. Et voilà, j'ai rangé comme ça. Écoutez, hein, je pense qu'en fond vidéo ça donnera bien. Et voilà. Il m'énerve, ce petit chien a gueulé toute la sainte journée. Maintenant, il faut que je nettoie parce que chérie m'a tout dégueulassé. Je ne sais pas ce qu'il est foutu. Il a foré, d'accord, mais alors ça, je sais pas ce qu'il a fait. Après, c'est peut-être Riley aussi, hein, qui est venu foutre le bordel. Donc, je ferai ça plus tard.
Et voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'aime encore bien. Je verrai ce que ça donne. Alors il faudra que je repeigne surtout cette étagère-là, puisque elle était dans la chambre de Sam, donc elle est complètement dégueulasse. Je l'ai nettoyée, mais ça quand même, y a quand même des taches. J'ai quand même mis mes petits tapis antidérapants pour pas que les palettes se cassent la gueule. Maintenant, comme j'avais plus tout un rouleau, j'ai fait du rafistolage. Mais écoutez, pour l'instant, ça restera comme ça. Et on verra ce que ça donne quand je tournerai la vidéo demain. La vidéo make-up. Voilà. Et il y a Riley qui vient déjà fouiller dans mes affaires. Oh, Riley, tu peux pas. Là, il y a son petit panier. T'aurais presque l'air sage. T'aurais presque l'air gentil. Hein? Tu dis aux gens que tu fais tout le temps des conneries? Eh oui, tu fais plein de conneries. On va les manger? Ah, elle a entendu gueuler. Bref. Bon, allez, sur ce, on switch de jour. Eh ouais, je suis maquillée. Je viens de tourner la vidéo make-up. Donc il est 9h moins 10. Donc je viens de filmer ma vidéo. C'est la seule potentiellement que j'avais à tourner. Il y a un DIY que j'aimerais bien faire, mais il va falloir que je le fasse en deux parties. Ce soir, j'aimerais bien faire un peu de résine. J'attends un moule. J'ai commandé hier un moule sur Amazon pour un nouveau capteur de rêve. Mais j'ai trop craqué sur la forme du bazar. Voilà, tout simplement. Et hier, je me suis fait un petit craquage. J'ai racheté un jeu. Qui était bon promo, hein, du tout. Il était 40 balles, le bazar. Mais c'est... Je ne sais plus le titre. J'ai un trou de mémoire. De toute façon, je vais vous reprendre en bas pour vous montrer. C'est la relicence des Harvest Moon de l'époque. Et les Harvest Moon, j'ai joué ma race pendant quand j'avais la Nintendo. Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà celle-là? La Wii. Ouais, j'avais la Wii. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai joué au Harvest Moon là. C'est la seule console que j'ai eue pour moi. Voilà. Le fond, ça donne plutôt bien, je trouve. Je ne sais pas, je vais voir ça en faisant le montage. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Voilà, point trop n'en faut. On voit juste un peu les palettes. On voit mes deux petites décos qui changeront potentiellement au fil de mes envies. Pour l'instant, j'ai mis ça comme ça parce que ça me plaît. Et voilà. Bah écoutez, je vous reprends en bas pour vous montrer mon jeu. Je vais juste d'abord faire ce que j'ai à faire parce que si je lance le jeu, c'est mort. Je ne fous plus rien de la journée à part jouer. Voilà. Donc, ouais, je vais d'abord faire ce que j'ai à faire, notamment nourrir les chiens. Et j'ai des montages à faire encore en plus. Le problème, c'est que quand j'achète un nouveau jeu, je passe ma vie dessus pendant 3 semaines, quoi. Donc, on verra bien. Mais je vous reprends tout à l'heure. Le moule, je ne sais pas. Ah, bah si, normalement, je vais le recevoir là avec le facteur habituel. Donc, je vous montrerai aussi. Parce que je pense que je vais me faire le capteur de rêve là ce soir. Si j'ai le temps, hein, de faire de la résine. Parce que le problème, c'est que je peux en faire que le soir ou le week-end. Parce que comme je ne peux pas prendre la chienne avec dans le bureau, si elle est toute seule en bas, elle me fout un bordel monstre. Elle pleure, elle vient gratter la porte et tout. Là, elle dort là dans son panier. Donc j'attends toujours que monsieur soit là. Donc en principe, je filme après avoir mangé. Ça dépend à quelle heure on mange. Ce soir, c'est à moi de faire à manger. Donc potentiellement, on mangera plus tôt. Et je pourrais faire... ma petite résine tranquille ce soir. Voilà. En principe, je me mets une petite heure pour faire la résine, une heure et demie. Et voilà, c'est tout. Bref. Bon, je vous reprends en bas pour vous montrer le jeu et les moules quand je les aurai reçus. Ouais, je vous montrerai tout ça en même temps en fait. Et c'est tout. Ouais, je vous prends dans le noir 2 minutes. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de vos chéris. Voilà, c'est mon petit mari. 39 ans, le monsieur. L'année prochaine, c'est 40. Ouais. Bref, voilà. Là, je suis en train de faire la bouffe des chiens. Et c'est tout. C'est tout. C'est parce que j'avais oublié de vous dire ça quand j'étais en haut. Donc, je vous le dis maintenant.
Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. C'est tout pour le moment. Ah, il va y avoir Secret Story, ce qui paraît bientôt à la rentrée, je crois, en octobre. Je crois que c'est en octobre que j'ai vu. Je ne sais plus. Bref. Ben, on va attendre le facteur et puis je vous montrerai le moule et mon jeu. Je savais que j'allais vous faire tomber. Ok, alors attendez, j'essaie de repositionner mon appareil comme je veux. C'est mon téléphone qui est posé sur ma boîte de tube avec qui tient droit avec le déo. Faut pas que je bouge trop. Donc voilà, c'est Story of Season Wonderful Life. Ce jeu est trop génial. Donc c'est du farming comme je n'arrête pas de jouer en ce moment. J'aimerais bien remonter un peu, mais... J'aurais pu bouger mon petit trépied hein, pour vous mettre correctement, mais flemme quoi, voilà. Je suis un peu foncé aussi parce que voilà, j'ai pas allumé l'anneau. Rien du tout. Bref, vous allez voir la base. Je vais peut-être essayer de dézoomer un peu. Alors si vous vous cassez la gueule, c'est pas ma faute, je suis désolée. Voilà. On ne touche plus à rien. Appuyez sur une touche pour continuer. Oui, mais je veux bien, mais ça ne va pas. Alors, ouais, il y a un petit souci avec les touches. En fait, je ne sais pas pourquoi mon clavier, il est en... en QWERTY sur le jeu. Il n'y est pas sur le PC, mais il y est sur le jeu. Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais voilà, quoi. Je vais peut-être mettre mes mails, ma page de mail pour que... J'ai l'air un peu plus clair. Et oui, au passage, j'ai refoutu mon t-shirt, mon gilet et j'ai fait un chignon. Je suis complètement gelé. Donc voilà, c'est easy puisque... Désolé. Je n'arrivais pas à écrire Missy puisque mon M ne fonctionnait pas. Décidément. Vous allez vous casser la gueule une paire de fois, je pense. Bon, allez. Je fais les choses bien, je vais bouger mon petit trépied parce que là c'est juste pas possible. Voilà, du coup vous le voyez un petit peu de traviole, mais écoutez, on fait ce qu'on peut, mais au moins vous êtes ça, vous avez pu vous casser la gueule, sauf que je risque de vous bousculer, de vous faire trembler. Bref. Donc voilà, je l'ai appelé Easy. Ici on a un petit toutou, donc vous pouvez choisir au début, tout simplement. Donc je vais lui parler. Et voilà, Luna a le pelage chauffé par les rayons du soleil. On est ravis de le savoir. Oui, je l'ai appelé Luna. On peut l'entraîner. Donc, faire le beau. Tourner. Sauter. Je crois que là, le farceur. Et donner la patte. Est-ce que ça rapporte quelque chose? Je ne sais pas. Du coup, il n'arrête pas d'enchaîner les trucs, les ordres que je lui demande. Mais, faut que je sorte du menu. C'est ça, il est un peu compliqué à prendre en main au tout début. Je me trompe encore parfois de touches. Mais, franchement, ça va. Il y a des trucs à ramasser, vous devez cultiver. En fait, avec une manette, il se jouerait, je pense, vachement plus facilement. Mais j'aime pas jouer sur manette. On va aller voir ma vache. Alors, ici, est-ce que j'ai... attendez, c'est où que je risque d'avoir des sous? Non, j'ai rien. Donc ici, c'est l'étable. Par exemple, quand vous êtes dans une pièce, enfin dans une maison ou quoi que ce soit, vous n'avez pas la rotation de la caméra, donc c'est extrêmement chiant aussi pour se déplacer avec les touches, ça j'ai horreur. Moi normalement j'utilise que le Z pour avancer et je l'appelais Suzy. Et le reste, je me déplace en faisant aller ma souris sur les côtés. Donc là dans les bâtiments, on n'y arrive pas. Mais franchement, je le trouve plutôt complet ce jeu. J'ai regardé des astuces pour bien démarrer et tout ça, voilà, sur la chaîne de Fluffy, je ne sais plus quoi, mais c'est franchement, il est vraiment pas mal.
Par contre, je n'arrive pas, si quelqu'un a le jeu, je n'arrive pas à trouver pour faire monter la santé de ma vache ici, pour avoir du meilleur lait. Parce que là, j'ai encore du lait de caca, je crois. Ouais. C'est rien, on va aller l'offrir à notre prétendant, parce que, oui, la base du jeu, au début, vous devez... Il faut que je lui mette du fourrage. Je vais lui mettre d'abord du bon fourrage. Je ne l'ai pas brossé aussi. On va la brosser. Et cette mangeoire est pour les animaux. Je me doute, c'est pas pour moi. Pourquoi j'arrive pas à utiliser un... Franchement, il est pas mal complet. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa à utiliser. Là, voilà, je suis au printemps 10, donc ça fait 10 jours de jeu. Là, je vais acheter du fourrage. On verra si du fourrage plus, si c'est mieux pour elle, si sa santé augmente un peu. Par contre, tu vas pas tout bouffer en une fois, hein, cocotte, ça coûte cher. Pousser, j'avais pas vu qu'on pouvait la pousser. Allez, dégage, t'es dans les pieds. Je vais la faire sortir. Hop. Paître vos animaux, oui. Ben franchement, les graphismes sont sympas. J'attends toujours l'autre, hein, quand même, qui sort en septembre. C'est pas les mêmes graphismes du tout. Je trouve plus mon poulailler. C'est pas du tout les mêmes graphismes. C'est un peu plus cartoon, peut-être, les autres. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà. Ici, j'ai ma poule ramassée. Parler. Rita. Je l'ai appelée Rita. Je sais pas pourquoi. Kelly. Et elle a encore à manger. Donc on peut la poser. Je ne peux pas la poser. Oh, elle a fait un œuf! Elle a pondu un œuf. Un œuf. On va le mettre dans le sac. Et je vais la faire sortir également. Par contre. Oui, les chichous, chouchous. Ils vont, tous les animaux, quand vous les faites sortir, vont dans le pâturage. Je crois. On va les vérifier. Tiens. Ouais, elle est bien dans le pâturage. Il faut que j'aille acheter de l'engrais pour faire repousser du foin pour faire du fourrage. Donc là, je vais aller, je récolte et je vais aller à la cabane des petits lutins chercher ma recette, parce qu'une fois par jour, ils vous donnent une recette. Je vous mets en... par d'info le guide débutant que j'ai été voir. Du coup, je me suis tapé un peu tous ces let's play parce que j'ai trouvé intéressant. On en apprend beaucoup aussi. J'ai regardé que ceux de la première année parce que... Ah, la Pouy. Coucou Pouy. Bonjour Pouy. On va lui faire un petit cadeau. J'ai pas de fleurs. Ah, Riley, tu m'énerves à me pousser. Oui, elle a encore collé à mon cul. Hein. Donc je vais lui donner une plante aromatique là. Viens ici, 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 ici. Hop. Oui, je te l'offre avec plaisir. Oh, elle m'énerve. Oh, ça y est, maintenant je me retrouve coincée. Ah. Ok, alors la cabane est par là. Et elle est partie en merde de chichou, bien évidemment. Ça peut être tranquille avec celle-là. Donc là, oh merde, il pleut, faut que j'aille rentrer ma vache et ma poule. Parce qu'ils n'aiment pas être dehors quand il pleut. Donc je vais vite aller chercher ma recette et on va aller les faire rentrer. Parce que sinon, la santé va diminuer et mon lait est déjà pourrave. Donc j'arrive pas à trouver pour monter la santé. Il faut que j'aille voir sur internet si on trouve quelque chose. Donc voilà, les petits lutins là, une fois par jour, ils vous donnent une recette. J'ai appris la salade Cobb. J'ai pas encore cuisiné parce que j'ai du mal à avoir des bons ingrédients. Donc il fallait vite rentrer la vache et la poupoule. Et puis j'irai faire de l'excavation pour gagner des sous avant que le vendeur ambulant ne vienne.
Enfin voilà, vous avez compris, je ne suis pas là pour vous faire un rapport complet sur le jeu, hein, mais vous avez compris le principe, je pense. Merde, elle passe pas au-dessus de la barrière. Qu'est-ce que c'est chiant. Ils auraient pu mettre la cloche elle est à l'extérieur du poulailler, ils auraient pu la mettre aussi à l'extérieur de l'étable. Oui, on va les faire rentrer parce que sinon ils vont être en mauvaise santé après. Et voilà. Bah écoutez, oh, il n'y a plus beaucoup de batterie. Je vous reprends après quand le facteur est passé. Riley, putain, elle m'a retourné tout ce qu'il y a sur le canapé et elle emmerde les chichous. Donc je vais aller régler son compte à Miss Patate. La foutre dans la casserole. Et je vous reprends quand le facteur est passé. Voilà, le facteur vient de passer. Il m'a amené quelques petites choses d'AliExpress aussi, mais ça, je vous ferai un haul. Et donc, c'est un kit complet. J'ai payé 14,99€. Et je vais vous mettre. Hop là. Donc déjà dans le lot, il y a une pince courbée comme ça. Ça c'est génial parce que je ne trouve plus celle que j'avais. Je crois qu'elle est dans le tiroir avec Kiki, il faudrait que je vérifie. Mais pour mettre les trucs dans votre résine, c'est bien pratique. Donc je suis bien contente. Vous avez une cordelette. Vous avez de quoi faire des porte-clés et des boucles d'oreilles. Puisque oui, vous pouvez modifier l'utilité de vos moules. Il y a deux planches de stickers comme ça. Donc une avec les signes astrologiques, enfin astral quoi. C'est en doré sur le truc, ils avaient l'air plus argenté. Et il y en a un avec des lettres dorées aussi. Donc ça peut être sympa. Et j'ai craqué en fait sur le capteur de rêve principal, quoi, l'anneau principal. J'adore, il est magnifique, quoi. Ça va être sublime. Vous pouvez vous en servir pour faire des dessous de plats, des petits plateaux, enfin tout plein de choses comme ça. Il y a le plus petit rond pour mettre en dessous ou faire un plus petit aussi, hein, tout bêtement. Et le moule avec toutes des plumes différentes comme ça. Il y en a des avec des trous ici, avec des petits cœurs. Vous avez les trous pour passer d'office la cordelette. Voilà, elles sont très belles. Donc je vais m'en faire un ce soir parce que j'ai trop hâte. Elles sont sublimes. Franchement, ce truc, je vais me faire des trucs plats avec aussi. Une fois que j'aurai fini mon capteur de rêve, il est magnifique. Et pour 15 balles, il est vraiment hyper complet. Et vous voyez que par exemple, les petites plumes ici, vous pouvez très bien en faire des boucles d'oreilles. Alors, à chaque fois, vous n'en avez qu'une. Non, ici, c'est les deux mêmes et ici, c'est les deux mêmes. Donc, vous pouvez faire deux paires de boucles d'oreilles assorties. Elles sont dans le même sens. Donc, ça, c'est un peu dommage pour l'effet d'optique sur les oreilles. Mais bon, ça peut être très joli quand même. Voilà, voilà. Et avec le grand capteur de rêve donc, que j'avais fait, que ma belle-mère m'a taxé, je vais faire avec les grandes plumes, enfin peut-être pas les toutes grandes parce qu'elles sont quand même très grandes, je vais faire des marque-pages pour les filles. Voilà, tout simplement. Vous voyez comme quoi on peut varier l'utilité de ces moules. Puisque là, je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien faire un dessous de plat avec un petit plateau, juste une déco aussi pour mettre une bougie dessus. C'est trop beau, il est sublime, franchement très baroque comme ça, j'adore. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bah tant qu'à faire, de toute façon, c'est pas perdu quoi. Voilà, donc sur ce, on peut switcher de jour. Là, il est 10h40. Je viens de me refaire un petit café bien chaud parce que je suis gai, j'arrive pas à me réchauffer, hein. Mais après, il y a la fatigue qui se cumule depuis trop longtemps là. Quoique, je dors un petit peu mieux ces derniers temps, mais le problème c'est que. J'ai une frénésie de bouffe en ce moment. Le soir, j'arrête pas de bouffer et que des saloperies. Hein. Hier, je suis passée des knick-knacks avec de la chantilly aux chips au barbecue. Donc, je monte me coucher, je suis pas bien, bien évidemment, puisque ben, déjà mon estomac supporte pas ce que je fais engouffrer en ce moment. Et en plus, les mélanges comme ça, ben, je suis malade. Donc là, il faut que je me calme. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est du fait que je suis pas bien moralement en ce moment, que j'ai une frénésie acheteuse et frénésie bouffe. Mais il faut que je me calme sur les deux trucs, hein, parce que j'ai beaucoup trop dépensé ces deux derniers mois. Heureusement que c'était les sommes. Mais c'est surtout ce mois-ci que j'ai beaucoup craqué. Enfin bref. Donc sur ce, on suit du jour.
Alors, il est 8h30, je sors de la douche. Je vous prends dans le bureau parce que hier j'ai fait de la résine jusqu'à 23h. Ouais, un truc comme ça, 23h, 23h30. Et j'ai trop hâte de démouler. Donc, on démoulera ça ensemble demain. Parce que bon, je les ai fait tard hier soir, donc je vais pas les démouler tard ce soir. Je les démoulerai demain matin avec vous. Et du coup, je vais vous donner le planning tantôt. Quand je redescends et que je me serai habillée. Comme ça, c'est demain, on n'a plus qu'à faire le démoulage de tout ça, quoi. Donc, je vais vous montrer. Je suis en train de regarder si mes pigments duochrome arrivent. Mais en faisant les trucs hier, j'ai utilisé. Je vais vous montrer. Parce que j'utilise des fards à paupières, surtout mono. J'ai utilisé les deux de Corazona, là, les derniers que j'avais achetés. Et oh my god, et je pense que avec la promo des 2 plus 1 gratuit ou des trucs comme ça sur Maki Beauty, ça reviendra peut-être moins cher même d'acheter ça que les pigments que j'ai commandés. Maintenant, c'est sûr que c'est pas la même quantité, mais c'est pas la même utilité non plus. En fait, je peins le moule avant, enfin, je peins, je mets le fard à paupières, j'étale le fard à paupières sur le moule avant de verser la résine. Tandis que les autres, les pigments, vous pouvez faire ça aussi, mais vous pouvez également le mélanger avec ceux-là aussi. Non, en fait, si, c'est la même utilité. Faudrait que je regarde par rapport à la quantité et au prix. Parce que les pigments multichrome sont pas donnés, même sur Temu, AliExpress et tout ça, ils sont pas donnés. Donc voilà. Là, je vais vous montrer grosso merdo ce que j'ai fait et on démoulera demain, mais j'ai tellement hâte. Je me suis refait un capteur de rêve avec les moules que j'ai reçus hier. Et oh my god, ça va être trop beau. Je sens que ça va être magnifique. Je vous montre ça et après je vous reprends en bas. Donc voilà, et c'est pas tout hein, parce qu'il y en a encore là-bas. Donc ça c'est le capteur de rêve que j'ai fait. J'ai mis une perle au milieu, mais je sais pas si on la verra en transparence avec le fard à paupières en dessous. La forme est magnifique. Ça c'est le petit. J'ai fait, ici j'ai fait des boucles d'oreilles avec le reste de résine que j'avais quand j'ai fait les petits capteurs de rêve pour les filles, les plumes. Ici, c'est pareil, j'avais fait le Wapiti, donc il me restait de la résine. J'ai fait ça, j'ai fait ça, vous voyez. Je prends les petits moules comme ça pour pas gaspiller de la résine. Là, j'ai utilisé pour faire des marque-pages pour les filles en forme de plume, puisqu'elles lisent beaucoup, donc je me suis dit que ça pourra leur plaire. Dedans, j'ai juste mis des petits sequins de un peu toutes les couleurs. Et le reste, alors attendez, je vais vous montrer. Oui, c'est nouveau le foutoir. Hein. Vous pouvez voir que c'est moins foutoir qu'avant. Hein. Et ici, j'ai les deux hiboux pour une vidéo et le petit wapiti. Donc, j'ai testé en mettant des yeux. On verra ce que ça donne. Bon, vous n'allez pas voir. Il ne veut plus tenir maintenant. Mais, non, vous n'allez pas voir. Il est trop foncé. Ici, peut-être. J'ai fait des petits effets avec du vernis à ongles, notamment les yeux. Du vernis à ongles du VSP, quoi. Et voilà, avec la lampe UV, et on verra ce que ça donne au démoulage dans la vidéo. C'est le H pour l'Alphabet Challenge, le H hibou. Voilà. Oh, j'ai trop hâte de démouler tout ça. Mais les fards à paupières, attendez. Les fards à paupières, la Constance Carole, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner demain. Tellement hâte. Donc on fera ça ensemble demain. Les autres, Constance Carole, là, j'en ai tanné trois complets déjà. J'ai presque fini le Carla Cosmétique aussi. Bon, c'est un autre budget, hein, mais voilà, j'ai presque fini. Vous voyez, j'utilise ceux-là. Et j'utilise aussi pour colorer certaines palettes que j'utilise pas trop. Genre les Catkins. Les Catkins, Catskins. Que Maryse m'a offert. Catkins. Voilà, c'est des teintes que moi j'utilise pas trop, mais dedans il y a un. J'arriverai pas à vous l'offrir à une main. Ah, quoique. Ici, attendez, je me concentre. Vous voyez, j'ai pris la teinte ici en dessous pour faire le wapiti, enfin au-dessus, pour faire le wapiti. Et c'est très beau, les palettes Shiglam et tout ça, j'utilise aussi, puisque de toute façon, autant les utiliser plutôt qu'elles traînent là. Et voilà, plus mes petits pigments. Oh, j'ai trop hâte de démouler ça demain. Bref, j'ai la fenêtre ouverte, hein, du coup que j'ai fait de la résine. Donc je vous reprends en bas pour vous donner déjà le planning de la semaine prochaine.
Et voilà, d'abord je vais m'habiller parce que j'ai froid. Donc je vais mettre un pull, hein, parce que là, été, je sais pas ce qu'il est, hein. Je cherche le soleil. Hein. Ouais. Je sais pas, dites-moi que chez vous il fait super bon, vous avez des 30 degrés et tout. Là je sais même pas combien ce qu'il fait, mais il doit pas faire très chaud. Je suis gelé. Enfin, en même temps, je suis tout le temps gelé. Bref, bon, on se retrouve en bas. J'étais en train de regarder un peu pour les pigments, justement. Donc, moi sur AliExpress, j'ai acheté 4 pots de pigments. C'est 5 grammes en tout, donc ils font un peu plus d'un gramme pour 11,32 €. Maintenant, ils mettent énormément de temps à arriver. Alors, les Corazonas, c'est ceux-là que j'ai utilisés dans l'autre. Je me souvenais plus du prix du tout. C'est 11,99 € le grain. Le fard à paupières, il fait 1 gramme et c'est 11,99 €. Donc là, ça revient très cher. Par contre, les Constance Carole, ils ont augmenté parce qu'il me semble qu'ils étaient à 1,99 €. Quand moi, je les ai tous achetés, ils sont à 3,99 €. Alors, attendez. Hein. Ils sont. Alors, attendez, j'essaie d'en choper un. Donc là, c'est les métalliques qui sont à 1,99 €. Là, il y en a pas mal en promo. À 1,19, 1,39. Mais les multichromes, là, pailletés. Les Turbo Magic, voilà. Je ne trouvais plus le mot. Ils sont à 3,99 € pour 3 grammes pièce. Et quand vous tombez sur la promo 2 plus 1, ça vaut vachement le coup. Parce que pour 6 € vous avez 9 grammes, quoi. Enfin, non, 8 €. Vous avez 9 grammes. Donc ça revient quand même moins cher que les trucs. Après, vous n'avez que 3 couleurs à la place de 4, mais ça vaut le coup, quoi. Voilà, petite astuce, n'hésitez pas à utiliser le fard à paupières. Je trouve que ça pigmente plus que les petits pigments liquides que j'ai. Bon, j'ai acheté sur Temu. Vous êtes en train de bouffer son os. Maintenant, j'aimerais bien essayer d'acheter les. Italia, Papaya, Italia. Qui sont sur Resin Pro, mais c'est beaucoup plus cher. Mais pourquoi pas tenter une fois, voir si pigmente plus la résine, parce qu'elle reste quand même vachement transparente, même que je mets 8-10 gouttes dans mon gobelet, ça reste vachement transparent. Maintenant, ici, colorant et pigments, mon wifi qui fait de la merde. Comme tout le temps. Pourtant, je suis toute seule dessus là. Sur-ci, là. Bon, après, j'ai deux trucs de connecter, mais j'en ai pignata. Voilà, c'est les pignata et à ce qui paraît, c'est les meilleurs. D'après ce que j'ai vu dans certaines vidéos, ils utilisent tous ça. Il y a des pigments fluorescents. Là, c'est 4,90 € le flacon. Alors que les autres, ils ont acheté une dizaine d'euros, même pas, je crois, les 24 couleurs, je crois. Et j'aimerais bien savoir le grammage. 14 ml. Donc, c'est des tout petits trucs, hein. Mais à ce qui paraît, voilà, ils sont top. Il y a quand même pas mal de couleurs. Mais voilà quoi. Enfin, comme ça, vous savez. Dites-moi, vous, ce que ceux qui font de. Il y a des kits complets aussi. Ceux qui font de la résine, ce que vous utilisez en pigment. Colorer votre résine. Moi, je trouve que jusqu'à maintenant, ce que je préfère, c'est les fards à paupières ou les poudres laser là, pour les. Pour normalement les ongles. Là, il y a les pigments Sahara en caméléon, donc je crois, je sais pas si c'est en liquide ou en trois couleurs ou cinq couleurs. Alors trois couleurs 16,50, cinq couleurs 25,80. Et ils font 10 grammes. Ah ouais, donc là ça vaut le coup quand même. Et ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air super jolis. Voilà, je vais recevoir les autres de toute façon maintenant. Enfin bref. Donc pour le planingue de la semaine prochaine,
Donc là, on va commencer les vidéos le mardi et le jeudi, les mini-vidéos, on va dire mini, parce que c'est des de moins d'une minute, quoi. Hein. C'est celle que je vous poste, mais ce que j'aurais mis en short normalement, mais je vous les poste en vidéo. Parce que là, rien qu'en mettant mes shorts en non répertorié, les derniers que j'ai fait, mes vues, elles commencent déjà à remonter, quoi. Donc, je suis contente. Donc, la semaine prochaine, on a une session de cabochon en résine avec inclusion. En mini-vidéo le mardi, un serpent venimeux en fimo. Une palette à make-up avec la palette Niki Tutorials de Beauty Bay mercredi. Un dragon en résine que vous pouvez voir apercevoir juste ici sur la petite croix. En résine, il est magnifique. C'est plus beau qu'avec l'argile. Donc, mini-vidéo. Vendredi, il faut que je commence à la tourner maintenant. Enfin, aujourd'hui, quoi. Là, je vais jouer une heure après. L'alphabet challenge F pour fleurs. Donc, je vais faire un pot à crayon. Samedi, un haul TMU. Oh, tiens, ça faisait longtemps. Et dimanche, le vlog. Donc, voilà. J'ai hâte de voir si vous allez apprécier les mini vidéos, là, comme je vous ai dit. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et tout ça, tout ça. Pour continuer à m'aider pour que l'algorithme reprenne un rythme à peu près normal. En sachant que je ferai de toute façon moins de vues que la base puisque c'est les vacances. Donc ça je le sais. Mais là j'ai quand même remonté un peu mes vues quoi. Parce que c'était juste pas possible. Il se passait vraiment quelque chose quoi. Et là la vidéo d'hier, pourtant c'est un DIY, j'ai fait 110 vues depuis hier. Vous voyez, depuis hier soir, j'ai plus de batterie. Enfin bref. Celle d'avant 104 alors que les autres 96 20 mais ça c'est un short voilà 123 mais à presque une semaine quoi bref donc bah, sur ce on suit toujours parce que j'ai plus de batterie donc mon appareil va me couper la chaise. Alors il est 9h15 je suis réveillée depuis 5h30, ça faisait longtemps que je m'étais pas réveillée si tôt puisque je vais coucher très tard en ce moment. Donc je me lève vers 6h30, 7h normalement. Et là, Riley m'a réveillé en me donnant des coups de savate à force de se gratter et de se lécher. Oh, elle m'a énervé. Bah, de toute façon, elle m'énerve depuis qu'on est élevé là. Elle n'arrête pas, elle est intenable. Elle fout le bordel. Alors oui, j'ai ressorti le pilou-pilou. Hein. Je suis frigorifiée. En plus, j'ai la porte ouverte pour les chiens. Il fait combien là? Bon, ils disent 15 degrés, mais jamais de la vie qu'il fait 15 degrés. De toute façon, même 15 degrés, on est quand même... on est le combien là? On est le 21 juillet, quoi. Pff, 15 degrés. Il prévoit 22 max pour l'après-midi, quoi. On est en juillet, le 21 juillet. On est presque en août. Et il fait 15 degrés. Pff, je vais déménager. Je vais vivre dans le sud. Au soleil, la chaleur. Je vais après démouler la résine. D'abord, je vais nourrir les chiens. La poulette est en train de décongeler, la poulette du gros. Je vais démouler avec vous la résine que j'ai fait. Hier, j'ai dû recommander une imprimante parce que la mienne a lâché. Voilà, tout simplement. Et j'en ai trouvé une sur Amazon à 39,99€. Une HP, hein, donc voilà. Sauf que ce n'est pas les mêmes cartouches d'encre. En fait, on a acheté deux cartouches d'encre sur un site spécialisé dans les cartouches d'encre. On a pris la 301 pour la HP qu'on a. Et j'en mets une. Impossible d'imprimer. L'imprimante, elle faisait que bugger. Alors, elle buguait déjà un peu avant, mais j'arrivais quand même à imprimer à force de l'allumer et l'éteindre. Là, impossible. Dès que j'allumais, elle buguait. Je me suis dit, il y a un défaut. C'est mon homme qui a dit, c'est bizarre parce qu'en remettant l'autre qui est vide, ça fonctionne, l'ancienne. Donc j'ai essayé, il en avait acheté deux d'un coup, j'ai essayé avec la deuxième, même bordel. Donc là j'ai dit à chérie, je vais photographier le message d'erreur qu'il me met sur l'imprimante, si tu envoies un mail qui te rembourse les cartouches quoi, parce qu'en plus maintenant on va rien en faire, les deux sont vertes et on va rien pouvoir en faire. Donc c'est pas les mêmes cartouches malheureusement, je la reçois lundi, donc heureusement ça va quand même assez vite, sauf que j'ai fait une vente cette nuit. Et du coup je vais envoyer la vignette à... une étiquette à chérie au boulot pour qu'il m'imprime au boulot et comme ça j'irai déposer, enfin il ira déposer le colis demain. J'ai Johanna pour la vidéo de la peluche, donc la peluche d'une abonnée que j'ai fait
qui m'a envoyé le mail, et puis après elle me dit, mais je peux venir la chercher, je suis pas très loin, elle habite au Luxembourg, quoi. Donc c'est génial quand les abonnés habitent pas loin, comme ça on peut se voir de temps en temps. Donc j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu peux venir la chercher et chercher le truc à la maison, enfin ici, quoi. Donc elle vient dimanche, parce que pour être sûr que si jamais samedi on doit aller faire des courses, parce que là le frigo il est absolument vide, chérie fait beaucoup trop d'heures, donc on ne sait même plus aller aux courses. Donc là je lui ai, elle vient donc dimanche à 3h chercher sa petite peluche. Moi je lui ai mis 2-3 babioles en plus. Voilà, je suis contente, je vais voir une abonnée que j'ai jamais vue encore. Les chiens me désespèrent, enfin Riley me désespère. Elle est intenable en ce moment. On discutait de la crise d'adolescence des chiens hier avec Manon. Et ben je crois qu'elle est en plein dedans. Essayer de la faire se calmer quand elle est dans cet état-là, c'est impossible. Sinon, j'ai un vieux goût de ferraille dans la bouche depuis 3 jours. Ça ne veut absolument pas partir. C'est en train de me rendre dingue. Dès que je mange avec des couverts, le goût s'accentue en prime. C'est vrai que je trouve des couverts en plastique, mais j'en ai pas. J'ai même plus de baguettes chinoises. Parce que j'ai utilisé pour cueillir ma peinture. Donc, j'ai été voir un peu sur internet ce que ça peut venir des antidépresseurs. Ou d'une infection dans la bouche, les deux sont totalement possibles. Bon bref, je vais vous laisser, je vais leur donner à manger. Quand ils sont calmés, je débarrasse mon bordel et on démoulera la résine ensemble. Oui, ah non, c'est elle qui l'a pris. La trappe rêve, je vais le faire en montage en mini vidéo. Je vais faire le montage de la trappe rêve en mini vidéo. Je sais plus quand est-ce que vous l'aurez. Voilà. Ce matin j'ai fait le montage. Ah oui, j'ai monté le make-up que j'ai tourné hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Et mon focus ça fait de la merde, quoi. Les 3/4 du temps je suis flou. Donc désolé, mais vous l'aurez comme ça. Hein. Je vais pas recommencer. C'est le jeu de ma pauvre Lucette. Je sais pas pourquoi il merde en ce moment comme ça le focus. Donc voilà, bref. Bon, je vais aller les nourrir. Je vous reprends pour démouler la résine et en double écran. Et ensuite, on se dira au revoir et à la semaine prochaine. Déjà. Bon, nous y voilà. Je vous filme à 2 écrans, comme ça c'est beaucoup plus simple. Je suis désolée si Riley fout encore le bordel. Là, elle vient de m'énerver avec sa gamelle, quoi. Donc, on va. Alors, le capteur de rêve, ça sera pour la fin. Je vais déjà démouler ça. Alors, ça, je sais ce que ça donne. Puisque j'en ai déjà fait. Mais je sais pas pourquoi elle est restée hyper souple, la résine. Oh, là, il y a un trou. Je n'avais pas vu. Bon, j'ai juste fait ça avec le reste de résine. Et je vais les donner à Manon. Ces petites déco, hein. Je lui en ai déjà fait un ou deux. Là, je lui ai fait d'autres modèles. Je sais où. Voilà. On va faire les petits pendentifs ici que j'ai fait. Alors, je sais pas pourquoi la truc ne s'est pas bien. Enfin, elle s'est remis en paquet comme ça. Elle s'est pas bien mélangée. Donc, on va commencer avec les roses. Puisque voilà, on a fait les roses. Donc, vous avez déjà le petit trou. C'est joli. On va coller une petite perle là par exemple à l'intérieur. Des petites paillettes en filament comme ça. C'est très joli. Ici un tout petit. J'aime bien. Je m'éclate avec la résine. Le petit cœur. Le petit triangle ici, que du coup ça a un petit peu débordé, donc il faudra que je ligne ici sur un peu sur les côtés, que je ponce. Bon. Les paillettes sont retombées là. Logique, normalement il devrait être dans ce sens là. Alors on va faire les petits marrons. Voilà, c'est très soft, hein, mais c'est toujours très joli, et puis on peut toujours faire des petits détails par-dessus après.
Oh, Riley ! Elle m'énerve, elle est en train de traîner sa gamelle dans toute la cuisine. Alors qu'elle est... Ici, dans cela, j'allais juste rajouter un petit peu de paillettes. Ça fait très beau. Riley ! Voilà, ici tout simple. Mais ici, vous pouvez remettre un petit pendant au milieu. Et celui-ci, pareil, j'avais mis juste un peu de paillettes ici. Voilà. Mais écoutez, c'est satisfaisant. Alors, ici, c'est le capteur de rêve, enfin, les capteurs de rêve pour les filles. Donc, il n'y a que deux plumes sur tout le moule. Donc, du coup, je leur ai fait une plume chacune et je vais mettre des vraies plumes. Voilà, tout simplement. Donc, on va déjà sortir les plumes, ce sera plus facile à démouler. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est beau avec les petits sequins. Hein. Par contre, ah oui, il n'y a pas le trou, il faudra que je l'effore. Avec la petite foreuse, ça va tout seul. Hein. C'est très joli. Les petites étoiles, oups. Enfin, la petite étoile. Donc là, normalement, il y a les deux trous, ouais, pour mettre, pour accrocher le capteur de rêve ou en dessous et puis mettre une perle ou quoi. Pareil pour la lune. Voilà. Et donc, c'est deux modèles différents, hein, les capteurs. Donc là, c'est un peu plus chiant à démouler parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Oh là, qu'elle rote maintenant. C'est quoi ce chien? C'est dur à sortir celui-là. Donc voilà, vous voyez, ça se courbe un peu, mais il suffit de le raplatir. Oh, ça fait joli. J'aime bien, j'aime bien. J'espère que ça plaira aux filles, hein. Comme d'hab. J'ai peur pour se démouler tout grand. Hein. De capteur de Dream Caoutchouc et voilà. Donc ça, je ferai le montage, je pense que je vais filmer dans la vidéo que je vais faire le grand. Donc ça, on fera après. Je vais démouler les deux plumes. Donc c'était pour faire des marque-pages pour les filles. Alors on sent un peu en relief, les pastilles sont pas bien rentrées dans la résine, mais je l'ai fait moins épais que le moule. J'ai fait un petit peu moins épais pour pas que ce soit trop épais justement dans le livre. C'est déjà une belle épaisseur. Hein. Il fait quoi, 5 mm. C'est déjà une belle épaisseur. Donc là, il faut juste que je lime un peu les bords du coup, vu que pour être sûr que ça accroche pas, que ça gratte pas. Mais c'est très joli. Hein. Riley, non, non. Je vais la bouffer. Je vous jure que je vais la bouffer aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a bouffé, mais alors il faudrait peut-être que je mange la même chose. Donc voilà, et là je vais juste mettre une petite ficelle avec un petit pompon au bout. Donc ça, c'est pour les filles. Attendez, je vais vous poser mes moules, j'en ai trop soif. Toi, quand c'est toi, c'est toi picot. Alors, je vais juste démouler les quatre ici, les quatre plumes d'abord, parce que je les ai fait pour faire des boucles d'oreilles ou je sais pas trop quoi. On va voir. Donc voilà ce que ça donne, c'est très joli. Pareil, hein, ça par exemple, je peux les mettre après les attrape-rêves des filles aussi. Donc, voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Donc ça, on fera après parce que ça, c'est le capteur de rêve. Il me reste le Wapiti qui va être un peu chiant à démouler. Un peu, même peut-être beaucoup d'ailleurs. Parce qu'il a... Oh, il a un petit cucu, mais il a une grosse tête. Bon, en tout cas, la couleur, déjà, me plaît bien. Maintenant, c'est les détails que j'espère que ça a bien adhéré. J'ai fait le nez et l'intérieur des oreilles, je crois. Et un peu les cornes, me semble-t-il, je ne sais plus. Avec du vernis noir et donc du VSP. Et j'ai mis des petits yeux. Donc, on va voir ce que ça donne avec les petits yeux. Mais il a vraiment une très grosse tête. Hein. C'est un Wapiti très intelligent. Très intelligent.
Alors, pour sortir la tête de ce bazar, hein, poussez madame. Hein. Vas-y, pousse madame, pousse. Il est presque. Ou pas. Poussez madame. C'est pire qu'un accouchement. Une fois que la tête sera passée, le reste devrait suivre. Hein. Je vous dis, c'est comme un accouchement. Mais la tête ne veut pas passer. Je crois que ça arrive d'un côté. Il devrait y avoir des techniques de démoulage plus faciles. Allez, pousse. Pousse, madame, pousse, tu vas y arriver. J'ai l'impression d'être un gynécologue. Ça fait mal les doigts. Hein. Si j'en refais un, je dirais aux garçons de me le démouler. Enfin non, parce que les garçons sont pas très doués. J'irai à monsieur de me le démouler. Parce que si vous avez vu mes TikTok, ils sont pas très très doués. Ça m'a réussi à démouler son kitsune, mais Lorenzo. Je sais pas ce qu'elle fout. Elle m'énerve, je vous jure, elle me fatigue là aujourd'hui. Bon, déjà, je me suis levée et tout, je suis fatiguée. Vous n'êtes pas pressé, hein, entre nous soit dit. Oh, les yeux, ça a l'air de bien donner aussi. Et j'ai mal les mains à mort. Non! Fais gaffe, hein! Si tu bouffes le coussin, moi je te bouffe aussi, hein! Je l'engueule parce qu'elle mange le coussin, puis après elle pose sa tête dessus, elle a l'air de dire: mais non, maman, je me repose. Waouh, maintenant c'est les oreilles qui veulent pas. Et vous savez que ça me donne chaud. C'est les oreilles qui veulent pas passer. Ah. En fait, c'est pas un wapiti, c'est Dumbo. Attendez, je me réhydrate parce que là je suis en train de me déshydrater à force de. De pousser madame. Je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air trop mignon. Bon, comment est-ce qu'on fait passer les oreilles? J'en ferai pas beaucoup, je crois, des wapiti, parce que c'est encore pire que le kitsune à démouler. Franchement, le kitsune, une fois que vous avez pris l'astuce, ça va, mais alors là. Elle a une tête de focus, un truc de fou. Je suis en train de me faire mal les doigts à mort. Mais je veux voir ce que ça donne. Hein. Je ne lâcherai pas l'affaire, messieurs, dames. Là, ça lui fait un petit chapeau. Et... voilà. Ça fait un petit hindou. Bon, on va carrément essayer de retourner le moule. Ah. Oh, c'est joli. Oh, j'avais mis des paillettes dans les cornes, mais bon, vous voyez, c'est un peu plus au-dessus de la tête, mais c'est joli. J'avais mis un petit peu de... Enfin, j'avais essayé de mettre un petit peu de duochrome, mais pour rentrer dans les petites cornes, là, c'était pas évident. Ici, j'avais peur que ce soit pas pris, mais c'est nickel. Bon, les oreilles, le vernis n'a pas vraiment pris. Les petites taches, on voit un petit peu. Le nez a très bien pris. Et les petits yeux, c'est très joli. Jusque... Ouais, je gratte un peu parce que j'avais mis une pointe de top coat VSP pour les faire tenir dans les trous. Mais c'est très 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 beau. Ah, je l'aime bien. Il est mignon. Oh, il est trop mignon. J'adore. Voilà pour ça. Bon, on peut passer au grand attrape-ref, donc le nouveau modèle. Mais regardez-moi cette merveille. Donc, on va commencer par le petit cercle. Cercle ? Ouais, on va dire un cercle. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça ressemble à un cercle, en tout cas. Bon, là, je vois déjà qu'il y a un petit bout qui a dépassé. Faudra le limiter. Vous savez, avec les capteurs de rêve, ça arrive souvent. Hein. Bon, après, ici, ça s'arrache parce que c'est tout fin. Oh là là.
Par contre, on ne voit pas le strass, donc il servait à rien. Ou alors, il fallait pas que je mette de fard à paupières dessus. Mais le duochromage du fard, c'est très, 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 très joli. Hein. J'ai plein de moules à laver maintenant. Alors, pour les plumettes, pas de surprise, hein, c'est les mêmes fards. Donc là, c'est un entier avec le fard bleu. Ici, j'ai fait un entier avec l'autre fard. Et après, je me suis amusée pour les plus grandes à faire en séparé, soit en haut et en bas, soit sur le côté. Mais j'avais rajouté, vous voyez, les petites pampilles là, comme ça, et on ne les voit pas sur le fard à paupières. Donc, si jamais vous mettez vos fards à paupières directement sur le moule, sachez que l'inclusion derrière ne sert strictement à rien puisque ça ne se voit pas. Ou alors, il faut la mettre après dans l'autre sens. Et là, ça se voit quoi. Ouais, je les mettrai peut-être dans l'autre sens. Pour faire plus joli. Voilà, vous voyez, c'est pareil ici. Bon, j'avais pas fait d'inclusion, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli avec la résine par-dessus, je trouve. Hein. En plus, voilà, c'est une question de goût. Mais vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est quand même plus joli quand c'est dans le fond. Quoi. Voilà pour mon petit taffy sur l'inclusion avec des fards à paupières. C'est très beau, hein, j'aime beaucoup. Vous voyez ce que c'est joli aussi hein, comme ça, mais là c'est plus beau. Après, je ne sais pas si par exemple en démoulant, non, si je remets par-dessus, c'est pareil. Mais par exemple, vous savez, quand elle est en train de faire en transparent, mettre l'inclusion à l'intérieur, et une fois qu'elle est presque sèche, venir mettre les fards à paupières sur le dessus. Faudrait que je teste. Mais voilà, on verra bien. Et maintenant on passe à la pièce maîtresse. Je l'ai trouvé tellement beau ce moule, et je vous jure, je vais me faire des soupes plats avec. Attendez, on va le démouler à l'envers pour laisser durer le suspense. Faisons du suspense. Roulement de tambour. Je la surveille hein, parce qu'elle va encore me bouffer quelque chose. Bon, il faut un peu de patience pour le démoulage parce que, comme je vous dis, à chaque fois il y a les petits, c'est des petits détails hein, un par un. Donc voilà. Là par contre, on voit un tout petit peu la perle, mais j'ai l'impression qu'elle s'est retournée. Ah, bah oui, mais le truc il est à l'envers. Bon, là ça se démoule un peu plus facilement. Vous êtes prêts? Je suis prête. Oh, que c'est beau! Oh là là! J'espère que vous voyez bien le duochromage de ce fard à paupières là. Oh là là là. Bon, après, quand j'en ai plus, forcément, je ne vais pas aller le racheter hein, parce que c'est 12 balles le fard à paupières pour mettre là-dessus. Ça fait un peu cher. Mais demain, je reçois les pigments que j'ai commandés sur AliExpress duochrome, là. Enfin, multichrome. Donc, on verra. Enfin, je verrai ce que ça donne. Je pense que ce week-end, je vais refaire un petit peu de résine. Hein. Puisque j'ai plus facile à le faire le week-end, vu que monsieur est là pour surveiller. Quoique, la dernière fois, j'ai dû prendre la chaîne avec. Hein. Alors, je sais que c'est pas bon pour les animaux. C'est pas bon pour moi non plus, hein, à vrai dire. Mais je pouvais pas la laisser en bas. Elle hurlait à la mort, quoi. Alors que monsieur était là en bas. Quand j'étais dans le bureau, elle hurlait à la mort. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai laissé la porte grande ouverte et la fenêtre ouverte. Comme ça, ça faisait un bon courant d'air. Je potionne. Un bon courant d'air. Et voilà quoi. Et vous voyez, même en dessous de plat, ça fait super beau. Même pour faire une petite déco de table, une petite déco murale sans faire un capteur de rêve. J'adore quoi. Bon, celui-là, après, vous êtes obligé de faire un capteur de rêve ou alors il faut couper ici. Après, je vois pas trop l'utilité de l'utiliser autrement. Mais vous pouvez en faire un tout petit, vous n'êtes pas obligé de le mettre ensemble, mais là, logiquement, ça donne ça, quoi. Vous voyez, vous mettez quelques plumes ici en dessous, ouais, voilà, à peu près partout. Moi, je vais juste incruster deux perles, enfin, vous verrez ça dans la vidéo du montage du truc. Et, oh, le petit Wapiti, il est trop mignon. Il va être trop beau dans mon fond, bien que vous ne voyez pas hein, ce que je mets dans mon fond, en fait, au final. Sauf quand je fais les halls et tout ça, puisque je me mets juste devant, mais là, ici, vous voyez pas. Il est trop beau. Faut juste que je nettoie un petit peu la petite gouttelette sur l'œil, et encore, ça se voit, ça se voit pas trop. Donc, j'ai mis,
Juste, j'ai pris un cure-dent. J'ai pris du top coat No Wipe. Et j'ai mis à l'intérieur. J'ai poussé les yeux au maximum dans les trous. Et je lui ai enfoncé la lampe dans le cul. Et j'ai UVT les yeux pour que ça tienne bien. Le nez, j'ai bien géré. Faut juste que je trouve autre chose que des... que les cure-dents, parce que c'est pas assez... c'est trop... c'est pas assez souple, en fait, pour faire ça. Les cotons-tiges, c'est trop gros, et je voudrais pas prendre des pinceaux, parce qu'après, il faut les nettoyer à l'acétone et tout. Voilà. Mais bref, j'aime trop. Voilà, je suis bien contente. Et même les petites pièces, hein, sont jolies. Là, j'espère que les filles seront contentes avec leur petit marque-page, même si c'est un peu épais, quand même. C'est censé être plus fin, mais bon, la résine, on sait pas le faire en trop fin, sinon... Vous voyez, là, c'est déjà souple. Enfin, après, trop fin, ça se plie. Et voilà, j'espère qu'elles seront contentes avec leur petit capteur de rêve aussi. Je vais voir comment monter ça. Mais ça, ça sera une vidéo. Et voilà, les bijoux, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, pour qui je vais les faire. Celui-là, je pense que je vais le donner à ma belle-sœur, parce que c'est totalement son genre de bijoux. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce... Attendez, je peux couper ici. Sur ce, on en a fini avec ce vlog qui est, à mon avis, très 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 long. Bien qu'apparemment ça ne soit jamais assez long pour vous, mais hein, légèrement, je fais ce que je peux. Hein. Je vous raconte déjà ma life, je ne vais pas vous raconter la life du voisin. Donc on se retrouve de toute façon tous les jours, je vous ai déjà donné le planning. N'oubliez pas que maintenant j'inclus les mini vidéos, donc au moins le mardi et le jeudi. Il y en a une que j'ai fait en mini vidéo aussi, parce que c'était pas intéressant que je vous la fasse en grand. C'est celle de vendredi. Voilà, donc vous aurez trois mini vidéos, dont un de résine et... ah bah il y a un fimo, un résine et un upcycling. Voilà. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce petit format de vidéo, puisque j'évite de poster des shorts pour arrêter de fausser mon algorithme. Puisque là, ça commence déjà à revenir à peu près à la normale. Là, la vidéo d'hier n'a pas fait beaucoup de vues, hein, je vous l'accorde, parce que... comment ? C'était hier, c'était jeudi. Donc, je suis à 78 vues en 16 heures. Donc, c'est quand même mieux, parce qu'il y en a d'autres où j'arrive à peine à ça en une semaine. Donc, je pense que l'histoire des shorts qui foutent la merde dans l'algorithme n'était pas fausse. Voilà. S'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi dans l'algorithme, moi, j'y connais absolument rien. Hein. Moi, je suis les conseils que je vois passer. Ce conseil-là, apparemment, était très bon. Donc, je suis contente. Ouais, donc demain, je reçois les pigments multichrome. Et je vais voir tout à l'heure si colis privé s'actualise pour mon premier colis TMU que j'attends. Enfin, le premier. Pour le filmer le haul, il y a deux colis. Mais je vous ferai AliExpress avec, parce que j'attends pas mal de trucs AliExpress. Quoi. Faut que je me calme maintenant. Hein. Les moules, je crois que j'en ai assez. J'en vois encore plein hein, qui me plaisent, mais pour l'instant, les moules, j'en ai assez. Hein. Je vais essayer d'en faire quelques-uns pour mettre en vente, pour essayer de récupérer un peu les sous des moules et tout ça. Et voilà. Bref. Je vous ai dit que le vlog était déjà assez long, je continue de baragouiner ma vie. Donc on se retrouve pas demain, toute la semaine, hein, comme d'habitude, à 17h30. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, c'est pas encore fait. N'oubliez pas de faire pareil sur toutes les vidéos, enfin sous toutes les vidéos, parce que ça m'aide énormément et ça va me permettre de remettre l'algorithme un peu à jour. Et de partager aussi, surtout les mini-vidéos par exemple, ça peut être intéressant comme format à partager, puisque c'est très rapide. Et voilà, donc moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine et j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.